Thank you.
l'association souhaite toujours, à l'occasion de cette exposition, donner à chacun la possibilité de créer. Et j'étais très contente que Yuko Hirota accepte de faire ce projet, qui était difficile, puisqu'il fallait reprendre l'idée des sculptures de Matisse et de Rodin. Et je me suis dit que la danse du buteau serait une occasion extraordinaire et qui étonnerait tout le monde. Nous ne connaissons absolument pas ce principe de danse, qui est une danse traditionnelle au Japon et qui relève une sorte de mystique, puisque le personnage qui est tout dedans est à la fois un être vivant et un être qui appartient aussi au monde de la mort, en quelque sorte. Et cette sorte de contorsion allait dans l'esprit de la porte de l'enfer de Dante. En fait, de Rodin et après l'histoire de Dante. Donc, il m'a semblé tout à fait intéressant de demander à Yuko de créer cela. Elle va vous parler d'ailleurs de sa création. Et Yuko était déjà venue au musée il y a quelques années à l'occasion du noir et du blanc de l'Andonine. Et Yuko est spécialisée dans toute la création de bruit à partir, vous avez des coups de fleurs, à partir de ballons. Et c'est sa grande spécialité. Ça devient le son. Ça devient le son. À le son de la nature. Et je pensais que vraiment c'était une question absolument exceptionnelle parce qu'on voit peu de fois des tensions plutôt. Et quand vous voyez les sculptures de plâtre blanc et quand vous voyez cette contorsion, et ça nous étonne énormément, mais je pense que c'est une vision. Lorsque vous visiterez l'exposition, vous verrez qu'il y a des sculptures de Matisse qui sont comme cela, qui sont des contorsions, des expressions par la contorsion. Alors, si vous expliquez ce que vous avez fait, vas-y. Merci, merci. C'est parce qu'elle nous a fait vraiment entièrement confiance. Et puis quand elle m'a demandé de créer quelque chose pour la sculpture de Rodin, comme on a parlé aussi, et là, c'est vrai, alors pour Rodin, il y avait aussi quelque chose qui était un lien avec le Japon. Et c'était alors, à la fin de sa vie, Rodin était vraiment fasciné par une japonaise danseuse qui a fait vraiment l'expression de la mort. Et là, j'ai vu aussi les photos et les sculptures aussi, et je me suis dit, on dirait plutôt aussi. Donc j'ai trouvé quelque chose de bien. Je crois que Rodin est d'accord avec plutôt aussi. Et puis aussi, tous les comment on peut dire, tension de Rodin, muscle, tension et intérieur aussi, j'ai trouvé que c'est intéressant. Et par contre, pour Matisse, j'ai trouvé que alors, j'avais besoin, c'est pas de toi et d'instrument d'appareil, et aussi une femme, méditerranéenne. Et donc, on peut dire, je crois qu'elle a bien répondu. Et puis, les mouvements, par exemple, le saccadé, pour moi, elle a fait ça déjà. C'était pas le lien avec le Matisse, mais avec le découpage de Matisse, quand alors, elle m'a montré aussi que nu bleu, il a fait plusieurs fois. Et là, ça fait un peu comme nous pour s'attarder. Et j'ai trouvé que ça fait complètement bien aussi. Et puis aussi, on a cherché les jetés de Matisse vers la lumière. Et j'ai trouvé que l'idée de Gioré qui nous a proposé, c'était de une s'amuse avec un ballon, j'ai trouvé que c'était bien mieux pour l'esprit. Et puis aussi on a cherché les couleurs. Demain s'il fera beau, du coup il y a un contexte de bouquet final. Alors on pourrait dire le nom des danseurs. Voilà, c'est Clotilde. Et puis aussi Gioré. Si vous avez